soulagement en Allemagne dans l'affaire du Netzpolitik. Le parquet fédéral a annoncé ce lundi l'abandon de l'enquête pour trahison visant le site d'information et deux de ses journalistes. Une enquête lancée après la publication de documents confidentiels sur un projet de renforcement de la surveillance des communications électroniques. Elle avait été ouverte par le procureur général Harald Range, qui a été retiré de son poste la semaine dernière. Il reste beaucoup de questions à souligner, Markus Beckendahl, l'un des deux journalistes du site. Même si le procureur Range a été sacrifié, beaucoup de personnes ont dû prendre la décision de commencer cette enquête. Nous n'avons pas fini d'éclaircir cette affaire. Une affaire qui a provoqué un torrent de protestations, notamment de la part des médias et de responsables politiques. Le soulagement était partiel ce lundi, le procureur ayant précisé que l'enquête se poursuivait pour violation du secret professionnel.